La société Nateris est condamnée à verser la somme de 12 000 euros. 12 000 euros, c'est rien. Moi, j'ai bossé 20 ans pour monter ma boîte et à cause de cette saloperie, je suis à genoux. Il y a 300 personnes qui sont restées sur le carreau. Pour faire appel, il serait mieux d'avoir un élément nouveau. Moi, je dis qu'il faut y aller à l'israélienne. Israélien, tu les marches sur le doigt de pied, ben, ils te font son poing dans la gueule. Non, c'est sûr. À votre avis, ils sont combien à bosser là-dedans? En tout cas, ils sont très très nombreux. Ça fout le jeton. Il faut des badges, il y a des vigiles partout. Ça va la cravate là? Cravate à la con, costume naze, tronche d'arabe, ça le fait. Hein. Faut te les couilles. Eh, hey, ça va là, ça commence à caguer parce que si vous avez besoin de personne, ça sert à rien de nous faire attendre. Franchement, un vigile accompagné d'un cuistot avec une femme de ménage, moi je suis Nateris, je flippe grave. Tu comprends ce coin? Bah, je sais pas, je pensais à des ordinateurs, des hélicoptères. Non, c'est con. J'avais un hélicoptère, j'ai complètement oublié de le prendre. Il y a une clé USB qu'elle branche dès qu'elle arrive. Et à mon avis, ce qui est important, c'est là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire dans mon bureau, allez tout le monde dehors. Madame, s'il vous plaît, on se dépêche, pop, pop, pop. J'en foutrais, moi, des pop, pop, pop. Faudrait arriver à la séparer de son sac deux minutes. Et si tu couches avec elle? Ah, c'est pas con ça. C'est très, très con. J'ai beaucoup aimé la petite fessée. Mais je vous en prie.